messieurs, je vous le demande solennellement, et si on allait faire un tour au pays de Disney? Oh oui! Ça va super génial! À Morne-la-Vallée, au pays des fées. Dans ce beau royaume, aux couleurs acidulées, pas de boutons blancs, pas de microbes. Juste un grand parc d'attractions pour oublier cruelle vie, son boulot, ses obligations. Trouver de tout, des beignets, des glaces en forme de pixou. Plus loin, une fée un peu cruche, juste un peu nunuche, ritons éclats. Lâchant les poignées de confettis sur les grands, les petits. C'est la grosse ambiance, car il y a aussi. Tous les enfants sont coiffés des oreilles du grand maître. Et lui ne cesse jamais d'apparaître pour mieux les embrasser. Un peu d'émotion dans le train à vapeur. Aux côtés de Daisy, nous frôlons le 30 à l'heure. Puis nous descendons un peu étourdis. On croirait qu'on est au paradis. Et ce soir, puisqu'on est là pour deux jours, nous laisserons nous bercer dans un hôtel de velours. Tout le monde est en plastique. Soudain, que se passe-t-il? On a vraiment très peur. Trois bandits masqués ont pris ma femme en otage. Pourtant ces voyous, ce sont les rabedous. Ils nous ont bien nus, les canailloux. Oh les bâtards! Et ce soir, puisqu'on est là pour deux jours, nous laisserons nous bercer dans un hôtel de velours. Ce pays, tous les enfants sont coiffés des oreilles du grand maître. Rémi ne cesse jamais d'apparaître pour mieux les embrasser. Tout le monde est sympathique, tout le monde est en plastique. Tout le monde est sympathique, tout le monde est en plastique. Tout le monde est sympathique, tout le monde est en plastique. Tout le monde est sympathique, tout le monde est en plastique.